Salut mes petits choux, Clip, Musique TV et MKM Radio mettent un point final à cette année 2014 et fêtent la nouvelle année avec le Enzo Live Club. Des invités chaleureux et pleins de bonnes énergies, la belle Tatiana Lorenz de la Rue, Xavier Delarue, Michelangelo de Mozart Opéra Rock, Dre Boni et Rudy des Poetic Lovers, les Young Boys de Incroyable Talent, Ernest Bond du label Black Beat Recording et les danseurs fantastiques. C'est bon ça ! Allez, assez parlé, le Enzo Live c'est tout de suite. Pourquoi ? Eh bien parce que life is life. Oh, oh, oh. Applaudissements s'il vous plaît, Tatiana Lorenz. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Alors. Il est trop grand, il va me cacher que c'est 2 mètres. Très bien, bon, bah, écoute, là c'est bien. Ça va? Alors vous êtes là pour quelque chose de particulier, parce qu'il se passe quelque chose le 6 janvier, 6 ou 7 janvier? Le 6 janvier, 6 janvier. Mais on n'en dit pas plus. Avant ça, nous allons parler de 2007. Donc, 2007, tu es en Inde, tu reviens. Je reviens et là, j'ai un coup de fil de TF1. Tu es mannequin, tu as un coup de fil de TF1. Parce qu'avant, tu avais fait autre chose, non? J'ai fait plein de trucs, parce que moi, à la base, je chante. J'ai commencé dans les clubs de jazz à 16 ans, avec Ravi Coltrane, Steve Coleman. Et donc, du coup... Et je faisais des concours aussi de Miss, de trucs. Par exemple, je faisais des concours de Miss pour Miss Paris. Ouais, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait même Miss Patinoire. Miss Patinoire. Dédicace à Philippe Candelo. Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là, hein, comme on a pu voir. Miss Patinoire. Ah, c'était en Normandie. Et donc 2007, donc tu fais Secret Story, vous vous rencontrez sur Secret Story, vous oh êtes non, déjà... Mais alors, vous a pris pour un couple de TRT ou quoi? Non mais c'était votre secret. Oui, c'était notre secret. Notre secret, justement. C'est qu'on était mariés, donc on est censé être ensemble si on est mariés. Non mais je fais comme si... Comme si ça avait parce pas... Parce que moi je connais toute votre vie. Hein, On a été appelés par Alexia Laroche-Joubert parce qu'elle nous connaissait un petit peu, on avait déjà fait quelques émissions avec elle. Sur de la télé câblée à l'époque. Ouais, et donc voilà, le but c'était de relancer, de faire une relance sur de la télé-réalité. Et bon, c'était Secret Story, c'était le tout premier. Hein, c'était un délire, on rentre et on doit cacher un secret. Bah pour bon. La petite info, on est rentré à notre première année, nos noces de coton. Donc voilà, plutôt que de fêter les noces de coton, je me suis présentée à voilà, Xavier. Bonjour, je m'appelle 23 juin 2007, on s'est mariés un 23 juin 2006. Voilà. D'accord. Ouais. Ah ouais, pile un an après. Ah oui, c'était vraiment après, la date des notes de. Ah ouais, vraiment. Ouais. C'était pour la petite histoire. Et du coup, à refaire ou pas? Oui, parce que. On peut pas que... dire non parce que on vient de faire l'île de vérité. Je ne trouve. Non. Non mais t'as raison Xavier. Ça serait un délire de dire non, jamais, non, mais, jamais. Non mais tu aurais pu te dire bon peut-être que. Oui, bof, oui, sympa, ouais. On a récupéré la médiatisation pour nos métiers en fait et nos activités. Donc pour mon association, parce que j'ai une association qui s'appelle Rojaune, qui lutte contre les violences conjugales, et j'ai écrit un livre au nom des femmes battues. J'en ai écrit un qui vient de sortir, qui est sur, alors, tu vas adorer, la Slim Liquid Food. En français, ça donne voilà, quoi? Voilà, en fait, c'est sur la phytothérapie et manger un peu plus liquide pour avoir les abdos de Xavier. Et les miens, je te montrerai pas. Tu manges la Slim Liquid Food. C'est bien, j'ai dit comme à la maison, hein. Vous avez vu, elle est comme à la maison. Il m'a dit bien. Comme à la maison, comme non à la maison. C'est quoi la Slim Liquid? Non, attends, Slim Liquid Food, on mange liquide. On mange pas que liquide, mais on mange un peu plus liquide que la normale. Moi, les potes qui me disent on mange liquide, c'est ceux qui ont bu. Hein. Ouais. C'est vrai. Mais c'est surtout à base de phytothérapie. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et alors, c'est sorti donc il y a C'est sorti au mois de décembre l'année dernière. D'accord, il y a un an déjà. Ok, très bien. Et ça va? Ça marche bien ou pas? Ça fonctionne bien, oui. Après, ouais. C'est sûr que la phytothérapie en France n'est pas vraiment connue. Mais mon premier livre, au nom des femmes battues, voilà, vraiment... Aujourd'hui, tu en es où par rapport à ce combat? Toujours mon association que je préside, que j'ai fondée. Tant qu'on aura besoin de mon association, je serai là. J'aide des personnes. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de niveau social, il n'y a pas de sexualité. Et il n'y a pas de religion, il n'y a pas de culture. N'importe quelle personne peut être victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Et je l'ai rencontré avant Xavier. Et ma maman l'a rencontré aussi. Elle est décédée. J'avais fait la promesse de me battre pour ça. Malheureusement, à mes 18 ans, enfin mes 17 exactement, j'ai rencontré un homme qui a failli me retirer la vie. Et c'est Xavier qui m'a redonné confiance en moi pour que je me batte et pour que je fasse mon association. Et grâce à lui, je démontre que malgré
ces choses terribles qu'on peut rencontrer, on peut être heureux, on peut s'aimer, on peut devenir célèbre, faire ses rêves, enfin voilà. J'ai envie de montrer quelque chose de positif. Alors c'est là où on digresse, applaudissements, c'est vrai, absolument. C'est là où on digresse. On parle de Xavier. Oui, il y a un micro qui nous sépare. Je suis vraiment triste. Voilà, je te voyais pas, je t'ai dégoûté. Voilà. On te connaît en même temps que Tatiana. Ouais. En revanche, tu es juste avant basketteur. Tout à fait. Okay. Basketteur à Levallois. Tu as quel niveau? Le niveau pro. Tu es en pro. En fait, c'est tout simple. En fait, on me connaît un petit peu moins que Tatiana parce que après la télé-réalité, je suis retourné à mes premiers amours et à mon métier de base, qui est basketteur professionnel. Et j'ai commencé pas très loin derrière le périph là-bas. À Astin, et après j'ai parcouru la France. C'était mon rêve de petit garçon de devenir professionnel, de jouer au basket et d'en faire mon métier, puisque c'est avant tout ma passion. Et j'ai réussi. J'ai fait 23 saisons. Et voilà, j'ai fini mon dernier club en date, c'était à Montréal, au Canada, où j'ai eu la chance d'être le premier Français européen à toucher le sol nord-américain, puisque d'autres Français l'ont fait en Amérique. Donc voilà, c'est un parcours de titan que j'ai dû parcourir pour casser des portes, pour casser des barrières, parce que c'est pas facile. Et je l'ai fait, j'en suis fier, je suis content. Et puis en plus, sur ma route, j'ai rencontré ma femme. Donc là-dessus, c'est cool. Bon, et ben... Et alors, vous êtes... Moi, il faut que vous me donniez votre recette, parce que là... Slim Liquid Food. C'est ça. Non, parce que c'est hyper exigeant, c'est super dur d'être dans... exposé comme ça, d'être un couple qui dure. Mais il m'aime, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est vrai que c'est... Mais toi, il faut que tu l'aimes aussi. Enfin, ouais. Ça se va dans les deux sens. Hein. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. J'ai pas rencontré plus beau que lui, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On part sur notre 13e année. Et puis sur Énergie 12, là, pendant les vacances à Tahiti, je lui ai fait mes renouvellements de vœux. Ça faisait 8 ans. Voilà, en pur titre. Ouais. Ah, ça y est, ça se moment-là qu'elle se la raconte. Regarde, c'est là, look at the ring, yes. Voilà, donc il n'y a pas de recette magique, je pense que on est juste basé sur la confiance et on se dit qu'on a envie de passer des étapes ensemble, les plus dures, les plus joyeux, donc on s'éclate. Comme ici ce soir, au Enzo. Ah, t'es sympa, t'es sympa, bien joué. Non, c'est un délire, merci, parce qu'en plus, il y a les Poetic Lovers qui sont là-bas. Bon, là, tu vois, je viens de le capter, il n'était pas en train de m'écouter. Et là-bas, il y a les petits jeunes aussi, là. Les young boys, ça, et vraiment je kiffe là, parce que ça c'est la relève aussi. Hein. Les Moi j'ai surtout adoré quand t'as pleuré. Voilà. Ah, ça chambre. Hein. Mais c'est pourquoi vrai, je suis pas pris? Oh, là, et les Poetic Lovers, ils m'ont aidé à serrer Tatiana, et puis eux ils nous ont fait rire aussi, tu vois, donc c'est un délire. J'avoue. Darling, faisons l'amour ce soir, c'est ça? Darling, faisons l'amour ce soir à Le Conan en boucle. Laisse tomber. Tous deux émergés dans le noir quand ton corps m'appelle. Oui, bon, après, on a fini par allumer la lumière, mais bon, c'est cool. Ok, allez, le 6 janvier. Le 6 janvier, qu'est-ce qui se passe le 6 janvier? D'un coup, tu te désolidarises. Oui, parce que, je veux pas de conflit d'intérêt. Pourquoi? Moi, je suis simple nominé, je suis candidat. Donc, elle est ambassadrice des lauriers. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas vrai. De conflit d'intérêt, c'est vrai, sinon c'est là. C'est vrai. Alors. Explique à ceux qui ne savent pas ce que c'est que les lauriers de la télé. Le Laurier TV Award, c'est la seule cérémonie qui récompense les programmes de télévision via le public. Uniquement le public vote pour son programme préféré, pour son présentateur préféré, ses candidats préférés. Alors il y a les programmes d'enfermement, les programmes de compétition, les programmes d'amour, voilà, c'est tout un tas de programmes. Donc ça va de The Voice à Top Chef, au meilleur pâtissier à Koh-Lanta, à Pékin Express. Les programmes d'enfermement, c'est comme Secret Story, c'est ça? Tout à fait, il y a le problème de compétition qui est Pékin Koh-Lanta, Express. Pékin Express, etc. Okay. Les télécrochés, okay, The Voice, La Nouvelle Star... Comment? Rising Star? Ouais. Une petite cover, chanson, Enzo? Oui, après. D'accord. De romance aussi? De romance. C'est de romance. L'amour est dans le pré. Et alors, Le bachelor. Est-ce que vous avez une liste? Il était très poilu cette année. Ouais. Très poilu, le bachelor de cette année. Cette année, ouais. Il était coté en poil. Ah ouais. Chacun son truc. Donc hein. Là, vous... Tu me regardes comme ça, t'es très poilu ou quoi? C'est que... Il me regarde avec des yeux déprimés, oh merde. Non, ce que je me dis, elle a retenu que le gars était poilu en fait, c'est le truc que tu as. J'aime pas les poils et c'est vrai qu'il avait un grand nombre. Après, c'est très bon, charmant. Alors revenons au laurier. Oui, bon, bref. C'est ça. Là, tu es à côté de toi, je m'enfonce. J'aime pas les poils. Bon, bah écoutez. Donc, t'es poilu? Non, mais tu disais que t'es poilu. Non, mais sinon, t'es poilu. Non, je ne suis absolument pas poilu, c'est une catastrophe, je suis un berbe. Cool. Mais c'est bien.
Et donc, tu fais partie, tu es la présentatrice des lauréats. Je suis l'ambassadrice, Laurent Artufel est le MC, et Philippe Candelero, qui n'est pas là, et notre président d'honneur. Donc, le 6 janvier à La Cigale, on reçoit... Donc, alors, comment on peut y aller ? Eh bien, on y va déjà. Il y a le site, il faut aller sur le site, on peut voter, on peut gagner ses places, c'est très important sur le site, on peut gagner ses places et rencontrer les personnalités qu'on aime. Et surtout, ce qui est important de répéter, c'est que ce n'est que les votes du public. Donc c'est très important parce que le public est sur son canapé, il reçoit des programmes, ils ne choisissent pas les programmes, ils ne choisissent pas les présentateurs ni les candidats, et on leur donne la voix. On leur donne justement la possibilité de s'exprimer et de dire qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est la première fois que ça existe. Donc il y a des finalistes dont... S'il vous plaît, aimez-moi, votez pour... Le grand machin à côté est en finale. Tu es dans quelle catégorie alors? Moi je suis nominé, j'ai eu la chance de passer... Merci. J'ai la chance d'avoir passé les présélections parce qu'on est au moins une centaine de candidats. Et je suis dans les 6 présélectionnés de cette année. Donc moi je suis dans la vie en communauté, la vie en communauté, un candidat d'accord. Issu d'une télé-réalité de vie en communauté. Ok, très bien. Bon, ça, c'est bon. Écoute, on vote. On se fait un serment ici, on passe le réseau. Votez Xababa. On poste. Votez pour votre candidat préféré. On vote pour Xavier, ok. Non. Pour votre émission et présentateur préféré, parce que dans les présentateurs préférés, il y a Sandrine Quétier, il y a Nikos. Allez, Agas, il y a Benjamin Castaldi. Ah oui, il y a les je suis en train de faire ma campagne publicitaire. Oui, mais j'essaie de faire comme si je n'entends pas. Alors, pour le présentateur télé, vous votez pour Enzo. Il y a un jeu que j'aimerais faire avec vous, mais rapidement, ok ? Bah oui, hein, je t'écoute. Très bien. Écoute, comment s'est passé Noël ? Comment vous avez passé Noël, les fêtes de Noël ? Ça s'est bien passé ? En famille. Ouais, on a fait ça en famille. Nous, on fait ça, tu sais, on chante le Noël, tradition antillaise. Un vrai créole, quoi. Direct. Donc voilà, chanter Noël. Représenter Guadada. D'accord. Donc, voilà, une chanson pour chaque plat, le matété au crabe. On a déchiré le ça, pain beurre. Et, tout ça, là, et alors, dans quelques heures, dans quelques minutes, nous passons, sommes en 2015. Ouais. Très bien. Alors il va falloir évidemment se prendre des nouvelles résolutions. Hein, bien entendu. Pas de micro, ça commence par là, c'est ça? Ok. Non, on va juste faire un feuille ciseau couteau. Un chifoumi, ça s'appelle. C'est ça. Ok, très bien. On fait d'abord un feuille ciseau. À toi, on va faire autre chose. Tête, épaule, genou, pied, mais ça, c'est Jesse Matador. Alors, attention, c'est juste tous les deux. Après toi, on va faire autre chose. Attention. 1, 2, 3. Bam, ça tombe dans le puits. Ok, oui, non, mais c'est en 3. Hein. C'est le. 1, 2, 3. D'accord, ça fait 1 partout. 1, 2, 3. Ça fait 2, 1. 1, 2, 3. Et j'ai gagné, ça fait applaudissements s'il vous plaît, ça fait 3-1. C'était pour te faire plaisir. À toi. À mon tour. Maintenant tu déposes s'il te plaît les mains s'il te plaît. Attention, est-ce que tu es prêt s'il te plaît? Ah, je connais. Quoi? Ah bah ouais. Est-ce que tu es prêt? Hein? Il a des grandes mains de basketteur, fais gaffe. Hein. Ça fait 1 pour rien moi. Dit. Ça fait 1 pour moi. Ça fait oh d'accord. Un vrai dunk. Okay. Okay. Non, là je attends. Donc ça fait 1 partout. Elle est cow-boy. Okay, cow-boy. Ah, d'accord. Du coup, Larsen est de retour. Tout a été bizarre, t'as en biais. Ouais. C'est ce qu'on m'a souvent dit. Pardon. Ah non mais. Oh. Ah bah, je suis pas en biais là. Il y a pas deux points d'écart. Hein. C'est le premier à 3. Ça fait 2-1 pour moi. Et toi aussi, t'es en biais. Ouais. C'est dans les gènes. Ça fait 2 partout. On encourage, s'il vous plaît, si vous êtes pour Xavier, faites du bruit. Fais pas honte, je divorce. Hein. Et voilà. Puisque vous êtes pour moi, vous faites du bruit, s'il vous plaît, évidemment. Oui on y va. C'est du n'importe quoi. C'est toi qui as commencé. Eh ben... Un coup de plus que moi, ça, c'est... Ah oui, mais je ne savais pas qu'on aurait 2 partout. Tu vois, je pouvais pas le calculer. Oh là là, tu es beaucoup de fin, toi. Ah, bien vu. Oh, oh, oh. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort comme il se doit, s'il vous plaît, les Young Boys. Applaudissons. Oui Young Boys boy. Merci. Merci. Hello game, quoi neuf, moi ça va comme d'hab. J'écris des couplets, partout j'en ai plein le cartable. C'est quoi les vibes? On revient faire du sale. Pose le micro au sol, petit tu n'es pas taille. Et ne parle dans mon dos, faut que moi je les écoute pas. Cacher les âmes sensibles, là je vais faire un massage.
Hollandais, oui, je viens de tout là-haut. C'est pas une bouche que j'ai, c'est un pistolet. Oh, 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 tout le monde est chaud. Million fois, on est trop chaud. On est là pour faire le show. Je suis là, je suis là. Faites un maximum de bruit, montrez-moi que vous êtes là. Ça, ça, c'est pour tous mes gars. Ken Simi. Appelle-moi John Cena. DJ, balance ce son. Et ça fait oh, c'est oh. Quand j'entends la mélodie, je m'oublie. Je n'ai qu'une envie, c'est chanter. Faire le tour du monde en musique. Rassembler, représenter. Parce que la musique c'est ma life. Parce que sans elle je suis malade. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde, demain c'est à Paris, fête oh. Une caisse claire, je kick les problèmes, j'évite. Une instru, fais vite. Un micro, je débite. Young boys, Macly. Moi, je calcule pas ton équipe. Les rimes sont mathématiques. Je serai rien sans mon public, donc je le remercie toujours. Je me crois pas être arrivé. J'ai vu la taille du parcours. Laissez-moi chanter la joie, je veux faire bouger les foules. De Kina Madinina, je viens de chanter pour la vous. Mélodie, je m'oublie. Je n'ai qu'une envie, c'est chanter. Faire le tour du monde. Parce que la musique c'est malade. Parce que sans elle je suis malade. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde, demain c'est à Paris, fête oh, 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 oh. Seul un bout de mer nous sépare, mais la musique nous rapproche. Moi tu peux kiffer ma zig, même si t'as rien dans la poche. D'ailleurs la zig c'est un kiff, c'est pour faire kiffer les potes. J'ai où est mon avenir, non je vais pas quitter l'école. Même si parfois j'ai des connes, je me connecte à mon PC. Et quand je veux une prod de dingue, j'envoie un tweet à Riser. Je vais réunir tout le monde, des cheveux raides et frisés. Des disques à la peau métisse, tu vois le monde a changé. Je m'oublie, je n'ai qu'une envie, c'est chanter. Faire le tour du monde en musique. Rassembler, représenter. Parce que la musique c'est ma life. Parce que sans elle je suis malade. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde, de Marseille à Paris, fête oh, oh, oh. Parce que la musique c'est ma life. Parce que sans elle je suis malade. Parce que j'essaie de représenter. Parce que j'essaie de vous rassembler. Que toute la France se mette à chanter. Quand j'entends la mélodie, je m'oublie. Je n'ai qu'une envie, c'est chanter. Faire le tour du monde en musique. Rassembler, représenter. Parce que la musique c'est malade. Malade. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde, demain c'est à Paris, fête oh, 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 oh. Merci, merci, c'était les Young Boys. Oh oh oh. Je vous préviens que c'est, ça peut être très acide hein, comme question. Ok, c'est parti, okay, on a l'habitude. C'est les questions des fans, ok. C'est ça, hein, on est bien d'accord, c'est ça. Donc en fait, je suis le porte-parole des internautes ce soir. Donc des questions plus ou moins sympas vont arriver d'accord. pour vous. Donc Tatiana et Xavier, c'est pas un peu pénible d'être connue tous les jours comme candidate télé-réalité? On a de la chance d'être reconnue plus par rapport à nos métiers. Et c'est vrai que les jeunes enfants de moins de 9 ans ne nous connaissent que pour la télé-réalité. Et en même temps, si on n'aime pas être reconnu, on reste chez soi. Donc je vois pas où est le problème. D'accord, très bien. Après, j'ai plus de mal à être reconnue comme une marque de dentifrice. Tu vois, Xavier, Tatiana, c'est relou. Ensuite, une question de Mélissa. Mélissa, si j'étais toi, peut-être que c'est chaud la question. Ouais, j'avoue, on va l'insulter si ça va pas. Donc Tatiana, tu vas t'essayer une carrière d'animatrice. Est-ce une réelle envie ou un moyen de médiatisation? C'est pas ce que j'avais pensé au départ. C'est vrai que j'ai mis d'abord mon association en avant, mes livres, des choses comme ça. Sinon, casser l'ambiance, c'est fort. Hein, Benoît. C'est ton rôle ce soir. Bravo, merci. Moi, bravo. Mais... quel talent. Bon, tu te tais, oui. Je parle. Mais c'est vrai qu'on m'a proposé. Moi, j'ai commencé très tôt à être sur les plateaux télé, dans le morning, avec Magloire sur M6. Donc, c'est un univers que je connais. La télé, j'aime ça. Les caméras, j'aime ça. Et si on me l'a proposé, c'est que je ne suis pas perdue. On m'a testé avant.
hein, comme vous avez m'attesté. Enfin, voilà quoi. Ah non, 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 voilà, là, 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 non, 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 corrige tout de suite. Il y a parce des que jeunes là, Tatiana, là, il y a des jeunes. Je parlais de femmes, en oui, tant qu'épouse. Bah, tu t'en passons. Et c'est vrai qu'on me l'a proposé, donc si c'est la chaîne Star 24 me fait confiance, c'est que je dois avoir un petit peu de talent. D'accord, bah très bonne carrière à toi, félicitations. Et jaloux, en fait, tu voulais ma place, hein, c'est pour ça. C'était pas Mélissa, c'est toi qui l'as écrit. C'était Benoît, ouais. Après, ils sont, c'était Kenzo en attendant. C'était l'œil du fan. Alors, est-ce qu'on peut applaudir Xavier et Tatiana, s'il vous plaît, bien fort. Avant de partir, moi je les kiffe, hein, les trois là. Ouais, je les ai suivis. J'avais suivi sur Incroyable Talent leur performance. Ouais. J'avais bien aimé son coup de gueule parce que dans la vie, il faut pas se laisser faire. Lui, il l'a compris très tôt. Et c'est ça, être un artiste, c'est aussi défendre ses convictions. Et votre album, moi, je vais le défendre avec vous, les gars. Bravo. Merci. C'est bien. Merci. Merci, merci. Ah, comme ça, là. Bah, Xavier, je t'aime bien. Hein? Et moi ouais. Non, mais je... Non, moi, je t'en fous. C'est plus... C'est plus sympa de dire Xavier, je t'aime bien, que là, tout le monde va dire ouais, évidemment, évidemment. Mais Tatiana, franchement, on se connaît depuis combien de temps, Tatiana? Oh, une petite dizaine d'années. Ouais, à peu près. Ouais, donc bah, voilà. Tu sais que j'ai essayé de t'appeler, mais tu as changé de numéro de téléphone, c'est sympa. Bien, allez. Et tu sais que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai à peu près 3 Facebook, un Twitter. Non, mais c'est toi qui réponds. C'est toi qui réponds. Évidemment. Ok, très bien. Merci pour tous les fans. C'est Tatiana Lorenz qui répond. Bon, les gars, les Young Boys, ça va? Ça va et toi? Bon, on se connaît un peu, hein? Ouais. Maintenant, ça y est. Bon. L'œil du fan, je suis désolé. Allez, on y va, Benoît. Donc, Jérôme du 17 nous demande. Vous avez été médiatisé très tôt. Alors, maintenant, tu précises de qui, comme ça, t'es sûr que c'est pas toi. Jérôme du 17, on y va. Jérôme du 17. Vous avez été médiatisé très tôt. N'avez pas vous peur de ne pas réussir à continuer dans la durée et de devoir préparer une reconversion? On n'a pas commencé dans Incroyable Talent. Ça fait depuis. Attends, 2009. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui. Toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Kyle. Lui, c'est Lilian. Et lui, c'est Leroy. À la base, on a commencé même pas dans... On n'a jamais commencé à Incroyable Talent. Depuis 2009, on est dans la médiatisation d'émissions télé, d'émissions radio, de web radio. Avec On va faire le show, on a commencé, ensuite Samba Show, etc. Et ensuite, on nous a contacté. On va faire le show de Samba Show. Non, oui. On va faire le show tout court. Oui, non, c'est oui, on va faire le show et aussi Samba Show. C'est pas on va faire Samba Show. Et après, on nous a contacté. D'après une vidéo qu'ils ont vue sur internet, à M6, ils nous ont contacté pour nous dire ce que vous voulez participer à la fin d'un Incroyable Talent. Voilà. Et après, on a été poussé par cette émission. On avait déjà commencé. C'est pour ça qu'on n'a ni le track, ni le peur de se reconvertir. Parce que derrière, il y a la en famille. En fait, c'est voilà. La route qui suit, quoi. C'est, voilà, votre, on c'est votre trajet. On sait ce qu'on va faire ensuite. C'est d'accord. Ok. Ok, deuxième question de David du 32. Est-ce que des fois il y a de la jalousie entre vous pour savoir qui chante le mieux, qui met le plus le feu? Non. En fait. Il n'y a jamais de jalousie. Pourquoi? Parce que on a chacun notre spécialité. Ça veut dire, moi je chante, je beatbox, je compose. Lui, c'est plus le côté rap. Lui, on va dire, c'est plus le côté chant aussi et danse afro. Ah, il danse, lui. Voilà, il danse. Moi, j'ai vu, hein. Et il danse et coupé décalé. Moi, j'ai vu, hein, il danse et coupé décalé. Il danse et coupé décalé. Mais voilà. Mais s'il y en a un demain qui dit, moi, j'ai envie d'essayer la composition, moi, j'ai envie d'essayer la danse afro, on va laisser, c'est okay. La famille, c'est, on travaille en famille, donc nous on laisse. Pas de jalousie quoi. Est-ce que si tu n'es pas content, ça veut dire que... Ça c'est la jalousie. Parce que si tu n'es pas content, ça veut dire que ça c'est de la jalousie, c'est ça? Non, bien. Pas content. Est-ce que tu peux nous faire, on l'avait pas vu la dernière fois, on n'a pas bien vu. Tu peux nous faire, vous pouvez un nous faire petit un coupé décalé quoi. Coupé décalé. Vas-y, DJ. DJ. Avion dans sac. Yes. Applaudissements pour Leroy, s'il vous plaît. Bien. Ça va, Leroy? Oui, t'es essoufflé? Tu m'as tué. Bon, Leroy, il marche pas le micro. Ah si. Leroy, c'est quoi la prochaine fois? C'est quoi la prochaine étape là? Le show, le prochain show entre vous, c'est quand? Est-ce que vous faites les premières parties des Danseurs Fantastiques ou pas? Non, on n'est pas encore dans les premières parties des Danseurs Fantastiques, mais ça va arriver. Ça va arriver? Ça va arriver très lourd.
Vous savez qui sont les danseurs? Vous connaissez les danseurs fantastiques ou pas? Est-ce que vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Danseurs fantastiques. Et ils seront là ce soir? Est-ce qu'on va les ouer? Oui, ils seront là. On va pas les ouer. On va pas les ouer. Ils sont là. Très bien. J'ai envoyé un message au manager. Il a dit qu'il arrivait. D'accord. Ok. Très bien. Ouais. Vous, une scène précise. Tout à l'heure, elle a une scène. Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, vous avez une scène ou ça? Ouais. À Saint-Denis? Oui, c'est ça. Là, vous partez à Saint-Denis, juste après l'émission, vous partez à Saint-Denis? Oui, voilà. Ok, très bien. Ok. On m'a dit que tu seras là-bas. Je serai là-bas? Ouais, c'est vrai. Tu vas te danser, tu vas te danser. Ah, bah voilà. Écoute, pourquoi pas? Écoute, vas-y, peut-être que vous allez me ouer, j'espère pas. Je vais essayer. Ouais, de... ouh, vous êtes plein de bonnes énergies et franchement, j'adore ça. Vous avez ce qu'on appelle un vrai good feeling, un good vibe et vous n'avez peur de rien. Le plus vieux, le plus âgé, il a quel âge? Il a 14 ans. 14 ans, le plus jeune? Il a 11 ans. 11 c'est ans. Lui. 11 ans, 14 ans. Je respecte, est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît quand même? Merci, parce que merci, merci. Ils sont hyper à l'aise. Mais je te sens un peu moins la patate. Ça va? Moi Leroy, ça va? Non, là c'est parce qu'on l'a dit avant. C'est parce qu'on m'a dit. On l'a dit avant de venir, faut se calmer. L'émission. Non, lui c'est un fou. On l'a dit avant. Qui a dit ça? C'est le manager? C'est une personne anonyme. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais comment ça, canalise toi, ça va pas ou quoi? Mais non, c'est un fou. Non mais oui, je sais, mais te canalise pas. Non, c'est pour ça, je me disais, mais t'es malade, il y a quelque chose qui va pas. Malade. Non, t'es pas dans ton état normal. Non, ton état normal, bon, ok, très bien. Bah écoute, fais-toi plaisir. Alors, on va faire maintenant ce qu'on appelle un jeu. Est-ce que vous connaissez Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ou pas? Ah, on oui. Connaît. Qui? Moi, je connais. Je défie qui? Moi. Non, lui, il faut le défier. Ah non, lui, va rigoler. Tu me tiens par la barbichette. J'ai confiance, vas-y. Attends. Échauffement, c'est perdu. C'est perdu. Le mec qui rigole déjà. C'est perdu. Non, mais c'est ta tête. Attends, pardon, j'ai oublié le jingle. Oh, les c'est ta tête. Je t'en prie. Jingle, jeu de main, jeu de vilain. Ok, très bien. Concentre-toi. Allez, mon frère. On se concentre. Attends, non, toi, tu vas gagner. Concentrez-vous. Allez, on se dépêche les gars. On est en amour. Allez, c'est moi qui fais. Tu me tiens. Je te tiens. Non, mais il faut que tu chantes aussi, sinon ça marche pas. Parce... Non, on recommence. Je te tiens, tu me tiens pas la babichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Aparo koto. Eh, gogo. Ça, c'est pas drôle ça. Ça va pas me faire rigoler. Ah mais oui, je te tiens plus, moi, la barbichette. Ah oui, c'est un tricheur. Non, tu vois, t'es bien parti pour rigoler. 30 ans plus tard. Mais moi, mais il faut que tu fasses des trucs, toi, sinon ça marche pas. Ah non, moi, je suis calme. Mais non, faut que tu fasses... mais il faut que tu me fasses rire. Mais là, je vais me faire rigoler moi-même. Mais ça fait 0-0, là, parce qu'on va durer des heures, là. C'est pas grave. Xababa, aide-moi. Non, Xababa, s'il te plaît. Ah, tu connais pas ça, regarde. Ça va pas avec moi, s'il te plaît. Ça fait pas rigoler, ça. Le gars est naze. Mais tu rigoles, hein? Tu as rigolé. Tu as rigolé. Tu as rigolé. Je suis pas d'accord là. J'ai perdu. Xababa, tu m'as. Et moi? Merci. Bon, c'est gentil. C'est pas à mon avis, c'est n'importe quoi, les gars. J'aimerais qu'on les aime. Excusez-moi, juste, je viens d'avoir le producteur des lauriers parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour vous ce soir. Et j'aimerais vous proposer en direct, est-ce que vous aimeriez chanter à la Cigale le 6 janvier en direct? Mais magnifique! Si le manager est OK! Bah voilà. C'est oui! Si le manager est OK, il a dit oui! C'est oui! Ouais. C'est ça la force du réseau! Mais oui! Merci à tous! C'est ça la force du réseau, Tatiana, y'en a qui sont morts comme ça! Merci! Merci! J'aimerais juste dire un truc! Merci à Enzo, hein. C'est grâce à lui! Merci, hein, si merci Tatiana, pas, merci Enzo, merci! Il faut l'applaudir! Alors, Félix, merci pour les Young Boys! Ils seront dans 6 jours, précisément à la Cigale le 6 janvier! Applaudissements s'il vous plaît pour. C'est bien, gars! Mais ah, écoutez, nous les Young Boys, on aimerait faire une dédicace à la team YBZ. Merci voilà. Pour le soutien, pour ma mélodie. Franchement, on vous aime du fond du cœur. Et surtout, achetez ma mélodie sur iTunes. Et merci bientôt, à tous. Et bientôt, la mixtape des Young Boys va bientôt sortir. Ah, il y a une mixtape? Oui. Mixtape Young Boys. Okay. Plein de projets. Ok, très bien, mais c'est ça. Alors, votre site internet, votre Facebook, c'est quoi? C'est Young Boys. Young Boys, tout court. Young Boys sur Facebook. Avec deux Z. Sur...
Twitter. Pardon ? Avec ça s'écrit Y-O-U-N-G, plus loin, B-O-Y-2-Z. Merci les gars, merci les Young Boys. Merci à vous, merci à vous. Salut. Merci à Tatiana, merci tout le monde. On se revoit tout à l'heure. J'ai dû changer de micro parce que ça faisait l'arsène et je crois que c'est moi qui l'arsenais. Alors, comment... J'appelle Dre ? Tu viens avec lui ? Donc j'appelle les Poetic Lovers alors. Allez, Dre et Reddy. Dre Boni, c'est un des quatre membres du canal historique du... Canal historique Poetic Lover, on est d'accord ? Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. À la base, on a monté... D'abord, c'est tous les deux. Voilà. C'est tous les deux à l'école, au collège, chez vous deux. Au lycée, ouais. Au lycée, pardon. Voilà. Et ensuite... Ensuite, Rod, que je connaissais depuis le collège, et Jay, voilà, en dernier. D'accord. Et puis après, il y a Graines de Star, Laurent Boyer, super. Graines de Star, télécrochet de l'époque, l'ancêtre du télécrochet. De Starac. C'est le premier, en fait. Je crois, exactement, ouais. Le premier. Non, le premier, c'est Graines de Star, les gars. Ouais. Ah oui, l'ancêtre, oui, pardon. Tout à fait. C'est bien, vous suivez. Mais j'entends pas, Jean-Paul. Avec Lolo. Ouais, ça date, ça nous rajeunit pas. Aujourd'hui, toi, tu crées ton propre. Tu as ton propre single. Ouais, propre qui album. Est rap, parce que j'ai toujours été un peu rap. Le single s'appelle Les Yeux de la Foi. Ouais. Et la particularité de ce morceau, c'est que c'est un morceau où j'ai invité justement mes potes des Poétiques. Donc, c'est un morceau Dre Boni featuring Poetic Lover. Ouais. Comment ça s'appelle ? Les Yeux de la Foi, tu dis ? Les Yeux de la Foi. Et bon, applaudissements pour Dre, s'il vous plaît, Les Yeux de la Foi. On y va. Les yeux vers le ciel, je n'attends qu'une étincelle. Je ne rêve que de toi. À l'heure où beaucoup de gens n'ont pas de job ou n'ont plus de toi, je remercie le ciel, je mange à ma faim, ce qui me manque c'est toi. Toi celle que j'attends, la seule qui peut me seconder et qui plongera dans mes bras quand le tonnerre se mettra à gronder. J'ai connu le monde dont je connais toutes ses facettes. Si les hommes se lassent après avoir dit qu'ils allaient faire ceci, trop blessé dans ta chair, bloqué dans tes visions. Pour toi le prince charmant ne se trouve qu'à la télévision. Rien que tu luttes comme une lionne pour t'assumer. Les sources et ce succès sont tu prêts à sommer les sommets. Tu souhaiterais pouvoir les franchir. Et moi ce que j'aime chez toi, babe, c'est ta franchise. Je me sens si seul car mon cœur n'attend que toi. Chaque jour, babe, je te vois par les yeux de la foi. Je me sens si seul. Sur la durée, moi je penserai tes plaies et toutes ces peines que la vie t'a fait endurer. Plus de cours solitaires, de balades solitaires, dîner solitaire, toi et moi solitaires. Oui, je vois tes éclats de rire, tu rêves d'un gars très marrant. Une petite virée pépère, partir en catamaran. Je rêve de toi, tu rêves de moi, on rêve de nous deux. On rêve de cette petite bulle placée dans ce monde douteux. Y'a ces erreurs que je veux pas refaire, en imparfait. C'est ta douceur, oui ma soeur qui peut me parfaire. Je veux qu'on communique et qu'on communique. Dès que l'on soit un, qu'on soit communique. Je me sens. Je me sens. Je me sens si seul. Je me sens que toi. Chaque jour, je te vois. Par les yeux de la foi. Peu m'importe, tu sois sans thune. Moi je te passerai la bague au doigt comme le bon Dieu l'a fait pour Saturne. Et pour que ça dure, on se fera toujours confiance et pas de jalousie, on sait tout ça sature. Peu m'importe tu sois sans thune. Moi je te passerai la bague au doigt comme le bon Dieu l'a fait pour Saturne. Et pour que ça dure, on se fera toujours confiance et pas de jalousie, on sait tout ça sature. Quelque chose en moi me fait penser tout bas qu'un jour l'instant viendra. Et si dès lors je crois, c'est que je te vois par les yeux de la foi. Je me sens si seul, que mon cœur n'attend que toi. Chaque jour, je te vois par les yeux de la foi. Je me sens si seul, que mon cœur n'attend que toi. Chaque jour, babe, je te vois par les yeux de la foi. Dédicace à Madame Bonnie. Les yeux de la foi. J'ai prié et ensuite arrivé. Les yeux de la foi. Voilà.
Merci beaucoup. Et j'ai juste un petit message à dire. Je voulais juste dire que quand vous attendez quelque chose dans la vie, faut toujours continuer à y croire parce que tôt ou tard, ça viendra. Voilà. Oh, oh, oh. Comment expliquez-vous que encore aujourd'hui, ça fait quoi? C'est en 97 98. En 98, aujourd'hui, on parle encore de... Ben, c'est vrai que c'est difficile à... Ben, là, on est parti à La Réunion. C'est Prenons notre temps, je cherchais le titre. Ouais, Prenons notre temps. On est parti à La Réunion et à l'île Maurice en septembre. Et c'était plein. Les gens, nous-mêmes, on était étonnés. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on... Souvent, quand on marche dans la rue, ou les gens qui nous parlent, ils nous disent quand est-ce que vous revenez, on n'a pas oublié. Donc c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir. C'est énervant ou pas? Non, mais c'était... Alors, si vous n'avez pas entendu, c'est comme les Boys to Men. Mais c'était vos idoles. Oui, bien sûr. Les Boys to Men. D'ailleurs, qui reviennent, là, les Boys to Men. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tous les groupes vocaux de l'époque, Boys to Men, Blackstreet, Joe Desi, voilà. J'en passais des meilleurs. Le vrai, quoi. Le bon. Donc, faudra qu'on y pense aussi. Eh ben, il faut y penser. Mais apparemment, vous avez l'air d'être reparti sur les routes, là, non? Ça se reforme plus ou moins? Ouais, si, on était dans... Ben là, on va faire l'océan Indien. On était à l'île Maurice, Réunion. Donc, voilà, on va continuer. Et puis, on va un petit peu refaire les îles. On va prioriser les îles. Pourquoi est-ce qu'on vous a perdu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, envie de... Si vous n'avez pas envie de dire... Non, en fait... On a eu le succès vachement jeune. Ouais. À un moment, ça a splitté entre nous. Ouais. Je pense que ça nous a tous monté à la tête, je pense, un petit peu. Ensuite, on a disparu du devant de la scène parce que c'est aussi parfois la réalité, la dure réalité des artistes. Maintenant, nous, la musique, c'est notre vie, connue, pas connue, succès, pas succès. Et puis, il y a encore pas mal de gens qui apprécient la musique qu'on faisait à l'époque, notamment dans les dom-toms. Et voilà, on a décidé Il n'y a pas que dans les dom-toms, vous rigolez ou quoi? Je dis ça parce qu'on a été énormément demandé dans les dom-toms. Et justement, ça a été le facteur déclencheur de cette mini-tournée qu'on est en train de faire. Donc voilà, comme disait Dre, on revient d'une date à La Réunion et à l'île Maurice. Le souvenir le plus fort, en négatif ou en positif, 2014? Le concert à La Réunion. Concert à La Réunion, super. Combien de personnes? 700, je crois. Et c'était bah, c'était fort, hein. Les gens connaissaient les chansons par cœur, l'accueil. C'était un tout vraiment qui fait que c'était vraiment mortel. Projet 2015, c'est quoi? Énormément de projets autour de la musique, bien évidemment. Bon, déjà, on a tous nos projets, tous les quatre, en solo. Toi aussi, tu as un truc solo? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bah, parle-nous-en, rapidement. Eh ben, j'ai un petit EP sur le feu. Et bon, c'est... Sur le feu, c'est le titre? Non, c'est nul. On y va. Popopopo. Non, on nous a dit qu'il y avait un concours de blagues carambar. Je sais. Et là, je t'assure. Tu vas gagner à ce train-là. Je pense que je suis bien placé. Je suis dans la bonne position. Non, voilà, oui, j'ai un EP sur le feu. C'est dans une direction musicale un peu différente du groupe parce que voilà, une envie d'exprimer une autre facette. Tu peux nous donner artistique. C'est plus hip-hop, on va dire. Et du hip-hop? Hip-hop soul. Soul? Hip-hop soul. Yeah, ben il y en a un, c'est Jake avec Vigon. Lui, c'est soul. Lui, c'est soul, soul. Que soul. En fait. Et toi, c'est hip-hop? Moi, c'est mélangé avec du hip-hop. En fait. Et d'ailleurs, Rod et Jay, ils seront avec vous ou pas? Quand vous repartez ou pas? Oui, tout à fait. On est tous les quatre. Ouais. D'accord. Bien sûr. Ok, super. Bon, bah écoutez. J'en passe à dédicace. Et puis, je voulais juste dire que, en fait, la chanson qu'on a écoutée, Les Yeux de la Foi, ça fait partie d'un EP. Ça, c'est ton EP qui s'appelle Dans les Choses. Un pub, non? Dans les Choses. Non, Pub d'Uniobe sera 2015. D'accord. Mais le morceau fait partie du EP qui est Dans les Choses, qui s'appelle Dans les Choses. Et qui est disponible sur toutes les plateformes. Ok, tiens, dites. Okay. Et puis, si les gens aussi veulent des nouvelles des Poétiques, ils peuvent aller sur la page Facebook Poétique Tour. Et c'est vous qui répondez? Ouais, Poétique Lover, c'est vous. C'est eux qui répondent. C'est bon. Ok. Là, on va y aller. Ça va chauffer, là, les claviers. Bon. Eh ben, prenons notre temps, les gars. Dalil, faisons l'amour ce soir. Tous deux immergés dans le noir. Qu'attend comme appel, délire sensuel, des plaisirs Chanel, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément,
allons doucement, prenons notre temps. Merci à tous, merci. Merci. Ah, c'est bon ça. Vous vous rendez compte la joie que vous donnez, les gars? Ça, c'est bon ça. Allez, on enchaîne avec... avec notre prochaine invité, on m'a marqué invité surprise, je ne sais pas ce que c'est. En fait, on m'a mis sur un conducteur, on m'a mis invité surprise et je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que l'invité surprise peut venir, s'il vous plaît? En fait, c'est les deux autres des poétiques. Donc on va c'est faire les un deux concert. Autres des poétiques. Bonsoir Enzo. Excusez-moi, parce que en fait, Enzo, il interviewe des gens, des artistes, des personnalités. Mais oui, c'est moi l'invité, je crois, en fait. Ah, c'est... Ouais, d'accord. Très bien. Applaudissements pour Crystal, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, Crystal, non, mais restez là. Crystal qui vient d'arriver, d'ailleurs. C'est salut, ça. Crystal. Bon. Salut, Enzo, comment tu vas? Bah, écoute, ça va très bien. Oui. Ouais, ça va. Toi qui poses des questions à tout le monde. Oui. Je vais t'en poser quelques-unes. Oui. À mon tour, évidemment. Hein oui. Tu es prêt? Je suis prêt. Enfin, je sais pas, en fait. Bon, essentiellement sur Clip Music TV, bien sûr. D'accord. Ok. Ta rétro à toi, 2014, sur Clip Music, c'est quoi? Rétroviseur? Oui, par exemple. Ah. Ouais, j'ai gagné, moi. Je suis bien. Ah non, mais attends, ouais, carrément, ouais, je m'en vais. Rétro, alors ouais. C'est quoi ta question en fait, rétro 2014. Rétrospective 2014 sur Clip Music. Sur Clip Music, point fort, point négatif, c'est ça? Oui, c'est quoi, point c'est fort, quoi point négatif. Alors, rétro 2014, rapidement. 2014, 2013, c'est très bien fini. Bon, alors enlève les E, s'il te plaît. Ok, rétro 2014, et ça c'est vrai, j'ai remarqué que je faisais trop de E. Beaucoup trop. Hein, et que j'étais comme une poule, je pondais des œufs. C'est donc ça. Il va falloir que j'enlève ces œufs. Il faut que tu corriges. Okay, il faut que je corrige. Ça, c'est les défauts. Je dis trop de œufs et je dis trop machin truc. Exactement. Donc, il faut que j'enlève machin truc et il faut que j'enlève œufs. J'ai pas dit machin truc ce pas soir. Encore, je, tu sais, c'est comme le syndrome Gilles de la Tourette, mais j'essaie de me contenir. Hein, c'est difficile. Premièrement. Deuxièmement, la rétro 2014, c'est plutôt point positif parce que, en fait, j'ai connu un gars il y a un an et demi qui est là, il s'appelle Frédéric Digan, qui est derrière la caméra. On peut l'applaudir. Et qu'on peut applaudir. Et on a fait un pari fou. Ce pari fou, c'est de créer notre télé, notre web. D'abord notre web, et ensuite notre média, qui devrait passer en TNT, et puis ensuite on verra. Enfin, voilà, l'idée c'est ça. Et en fait... et après on remplace TF1. Bientôt. Absolument, on va direct... Avoir notre espace à nous, et ben ça a l'air d'être bien parti. Oui, c'est pas mal, je pense. Parce qu'en 2015, et c'est maintenant que j'annonce, tiens, 2015, ah oui. 2015 projet 2015, et ben on fusionne. Venez voir là, les gars, s'il vous plaît. Venez MKM. Voir là. Viens voir là, s'il te plaît. Laurent. Ismaël. Laurent, tu es où? Laurent, viens voir, s'il te plaît. Applaudissements pour Laurent et Ismaël, s'il vous plaît. À partir de 2015, avec la première, ça va être le 30, enfin ça va être aujourd'hui, c'est notre première en fait. C'est ça. MKM Radio et Clip Music TV, on fusionne pour faire de la télé vraiment en streaming, c'est bien ça? J'ai les bons termes. Exactement. En streaming, c'est-à-dire que vous aurez réellement des programmes comme une vraie télé, le matin, le midi, le soir, etc. sur le web, sur notre chaîne web, Clip Music TV et MKM Radio. Ils nous apportent la technique, nous avons le contenu, on fusionne et voilà. Et eux, ils sont la radio, nous sommes la télé et on fait comme BFM. On fait comme BFM et RMC. Que de beaux projets donc pour 2015. Comment? Que de beaux projets donc pour que 2015. Que de beaux projets, et tu es arrivé il y a un mois. Et je suis content de t'avoir parmi nous, Crystal qui vient d'arriver, attachée de presse. Et, je suis très contente également. Et voilà. Donc je sais qui prend la parole comme ça en tremblant tant, mais non. Qui est artiste peintre. Pas du tout. Allez voir les qui est artiste peintre, une vraie artiste peintre vraiment. On ira voir Crystal D'Amata, ok? On ira me voir, mais pas tout de suite. Crystal D'Amata. C'est le Enzo Life Club. Et nous avons une autre recrue qui est là, Benoît. Qui est Benoît. Benoît, la chaîne est en train de s'agrandir. Et voilà. Et je suis vraiment ravi. Voilà 2015. Voilà ma super. Rétro 2014. Merci, et projet 2015. Voilà. Merci Enzo pour ça. J'ai trop parlé. Non, bah, comme d'habitude. Oui, absolument. Merci beaucoup en tout cas.
Et je vous laisse reprendre. Merci beaucoup. Merci, Cristal. Merci à vous. Voilà, c'était ma rétro 2014. Merci à toi. Oh, oh, oh. Il y a une maladie en ce moment qui touche, c'est ça, Ebola, qui touche l'Afrique de l'Ouest. Et il y a pour cela, il y a un single qui est en préparation, qui est même quasiment prêt. Et j'aimerais applaudir et qu'on applaudisse monsieur Ernest Bong, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir, monsieur? Il va nous en parler. Et on peut applaudir, s'il vous plaît, Dre. Dre, s'il vous plaît, applaudissements pour Dre Bonny, pour Rudy. Ernest, ça va? Salut Enzo, ça va, et toi? Ben, ça va. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur est le patron ou le directeur artistique, enfin, le patron de Black Beat Recording, qui est une... dis-nous ce que c'est que Black Beat Recording. Ah ben, disons que c'est un label de musique urbaine qui se donne pour ambition... Label de musique urbaine. Oui, qui se donne pour ambition de produire ici, à partir de la France, même si notre siège se trouve à Londres, des artistes. Et vraiment, l'une de nos ambitions les plus grandes, c'est de faire en sorte que des artistes urbains européens puissent être joués sur les plus grandes radios aux États-Unis. Voilà. Donc, là où ça se passe. Artistes urbains. Oui. Et comme qui, par exemple? Évidemment, il y a notre artiste phare, c'est Lazy. Je pense que ceux qui se souviennent en 2008 du tube Rockaway, ouais. Qui a inspiré énormément de gens. Ça va de Jay-Z à d'autres qui ont repris un peu le même style. Nous avons aussi, évidemment, quelque part, nous avons aussi travaillé avec Gwen Bécor. Nous avons aussi effectivement un très très grand rappeur, une très belle main d'écriture qu'on appelle l'Alco. Et là encore, c'est encore des surprises qui vont arriver. Alors l'Alco, ça me dit quelque chose, l'Alco, non? Oui, c'est, si vous vous souvenez, c'est un peu passé par 45 scientifiques à une certaine époque. 45 scientifiques, le label. Voilà. Et ça vous parle ou pas, 45 scientifiques, à qui? Voilà. Et donc après il a sorti un album d'ailleurs qu'on ne retrouve plus parce que moi-même j'ai même plus d'exemplaires et qui a été extrêmement salué par la critique. Nous avons effectivement aussi Shengi. Oui, bien sûr. Qu'on ne présente plus. Oh, oh, oh. Une exclusivité, c'est One Voice. One Voice. Il faut bien dire que c'est en exclusivité que vous l'avez parce qu'elle n'est passée au moment où je parle ce 31 décembre sur aucun média encore. Alors très bien si vous ne l'avez pas entendu encore comme ça. One Voice, c'est là maintenant. Elle est passée nulle part. Nulle part. Et c'est une exclusivité mondiale au Enzo Live, Ernest. La campagne commence demain, le 1er janvier. Voilà. Franchement, c'est la classe ou pas? Je soutiens le projet à 100%. Guinée-Conakry et toute l'Afrique. Isolons Ebola. Ce combat, une seule voix. Qui nous chante et lutter contre Ebola. Unissons-nous tous pour abolir Ebola. Isolons Ebola. La cause est belle, la cause est bonne, la cause est noble, mais en plus avec l'expérience que vous avez, à mon avis, ça, c'est plus que africain, c'est mondial ce que vous étiez en train de dire. Absolument, c'est ma contribution et celle de Georges aussi, puisqu'on est, vraiment partenaires et très liés. C'est effectivement d'optimiser la communication sur l'international pour pouvoir fédérer cette cause et qu'elle soit pas simplement africano-africaine ni guinéenne, mais qu'elle soit que les acteurs mondiaux puissent être sensibilisés à travers la sensibilité d'une chanson, d'artistes qui sont toujours des vecteurs très importants au niveau de la communication. Oh, oh, oh. De toute façon, vous avez écouté, il y a JTR d'ailleurs, que nous produisons aussi, voilà. Et il y a de très belles voix. Je dis, il y a Peggy, il y a Gage, il y a Peggy Tabou. Ouais, hein, ouais. Le nom précède
Oui, du grand Seigneur Rochero, pour ceux qui connaissent la musique mondiale. C'est l'un des premiers artistes d'ailleurs à avoir fait l'Olympia à l'époque, hein, je crois, aux années 70. 70, ouais. On commençait encore à marcher. Je ne vais pas faire genre, je me souviens de la date, mais ouais, un truc comme ça. Donc il y a tout ce monde-là, il y a les JTR, il y a Super One. C'est des jeunes garçons suédois ? Non, oui, pas du tout. Si, c'est ça, suédois. Qui ont fait Night for Life, ouais. Et, voilà, que nous produisons, que nous avons découvert. Et voilà, la chanson, justement, l'hymne pour la lutte contre le cancer. Qui a exact. Fait un très bon concert d'ailleurs le mois d'octobre à Metz avec Koé et tout ce monde-là. Et je dois aussi dire que nous avons eu là beaucoup, beaucoup de chance parce que nous avons approché beaucoup, beaucoup d'artistes. Nous étions aussi d'action et Koé, tout le monde, La Fuine, il y a Soprano, il y a plein de gens dessus qui ont accepté de poser pour la cause Titoff, ils sont pleins. Amel Bent, j'en passe, voilà. Eh ben, ils viendront dans le prochain Zoo Live Club. Ça, c'est sûr. Ah bah ouais. Moi, ce que je peux m'engager, et pas pour terminer, parce que j'ai un peu suivi ce que tu as dit, je sais que le métier, il n'est pas simple, et on a la chance parfois que, voilà, on a de bonnes connexions avec des personnes comme celle qui nous ont présenté Xavier et sa charmante Tatiana. Voilà, qui ouvre des portes, moi, je te garantis, en tout cas, moi, je t'ai toujours dit, ce qui est certain, c'est que le Enzo Live, avec nous, de toute façon, chaque fois que j'aurai de gros artistes, chaque fois que j'aurai des artistes que ce soit internationaux qui viendront, tu es plus sûr que je te passe un coup de fil, je te dis, écoute, viens, les autres t'ouvrent pas la porte, ben viens, moi je t'amène, t'auras The Game, t'auras, voilà. Et ça, c'est une promesse que je te fais, tu sais bien que je vais pas annoncer, peut-être, t'as eu déjà eu Manu Dibango. Je te promets, garantie, et ben on va enfoncer les portes ensemble, on va se tirer les uns les autres et c'est comme ça qu'on fera notre place dans ce métier. Merci Ernest. Dans 10 ans, on verra ce que ces jeunes seront devenus grâce à vous. Merci, à l'applaudissement. Alors, je termine, il nous reste encore 3 minutes. Voilà ce qu'on va faire, on va faire un ni oui ni non. Ni oui ni non, tu es prêt? Je connais pas, mais je suis toujours prêt. D'accord. Avec toi, je suis partant. C'est parti. Ernest, dis-moi Ernest, tu sais que j'ai les mêmes... le veston là que tu as. J'aime bien, je suis souvent en veston. Tu sais que je suis souvent en veston. Il semble que je t'ai déjà vu avec. Tu m'as déjà vu en veston? Ah, tout à fait. Il n'a pas dit oui là? Tout à fait. Non, il n'a pas dit oui, non, pas tout à fait. Très bien. Et c'est le site d'action, c'est le sigle du site d'action? C'est ce que j'ai eu effectivement le jour où on faisait le site d'action, l'enregistrement avec, je crois qu'il y a eu plus de 100 artistes ce jour-là sur TF1, hein, vous me confondez avec les Aznavour et tout le monde. Ouais. Tu es avec un homme que l'on appelle Georges. George William Betoka. George ouais. William Betoka, l'associé. Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit oui. Mais non. tu as dit Georges, ah, oui. Non, mais je me raclais un peu la gorge, tu sais qu'il fait chaud. Donc avec Georges William Betoka, très bien, c'est ton associé. D'ailleurs, Georges, c'est lui d'abord que j'ai connu. D'ailleurs, Georges, si tu nous regardes, salut. Georges qui habite regarde, je l'ai eu avant de venir, avant d'arriver tout à l'heure. Il habite en Suède, hein. Il est en Suède, il est en Suède, en ce moment, en famille, effectivement. En famille, effectivement. Voilà, moi, je vais rejoindre la mienne tout à l'heure, évidemment. Mais toi, tu vis où? Moi, je vis à Paris. T'es ici, dans le coin? Non, à Saint-Germain-des-Prés, oui. Saint-Germain-des-Prés? Je dirais pas plus. On pourra aller boire un verre ensemble, alors? Cela va de soi. Okay. C'est avec un grand plaisir. Mais toujours. Tu sais que moi, je suis juste à côté, là. Tu me l'as dit, effectivement. D'accord, très bien. Allez, merci. Allez, à bientôt. Allez. Ciao. Merci à toi et bonne année à tout le monde. Tu avais... Et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci encore. Merci à vous. Oh, oh, oh. Fantastique! Et voilà! Ça, c'est la magie de la télé. Bien, il y a un micro ici, les gars. Bien. Ça va? Ça va. Merci. Je sais que vous venez du théâtre, là. Oui. Du théâtre du Temple.
vous venez à peine, vous arrivez et vous faites un show encore. Vraiment, est-ce qu'on peut les applaudir encore à nouveau, s'il vous plaît, pour... Merci à tous, merci beaucoup. Pour Enzo Live Club. Merci. C'est impressionnant, vous arrivez à faire des saltos avec, dans un espace comme ça, aussi réduit que celui-là. D'ailleurs, il fait à peine 2 mètres 10, max. C'est ça c'est ma carrure. Je te remercie bien. 2 mètres 10. C'est ça. C'est ça. Willy, oui. Puisque tu parles. C'est ça. Willy, alors, tu es le trait d'union entre les Young Boys, on peut dire ça, le trait d'union entre les Young Boys et, et les danseurs fantastiques, puisqu'on te voit dans, voilà, dans Ma Mélodie. Le devoir de ouais, alors effectivement. Cours d'acting studio, hein, acteur heures, studio, hein, là, tu es le professeur entre vous et moi. Non, mais je me suis fait piéger un matin, comme ça, il y avait de la lumière, on m'a dit bien, rentre. Et du coup, voilà, effectivement, acting pour des jeunes qui ont énormément de talent. Et puis voilà, c'est nos petits à nous. C'est les futurs, c'est eux qui vont prendre notre relève. C'est la relève. Donc voilà, pourquoi pas être dans le clip. Et tous les fantastiques ont participé à ce clip, puisqu'on est tous à l'intérieur. Oui. Donc, Mais je parlais du professeur, évidemment, oui. C'est quand même un rôle fort. Vous, les gars, bon, après Incroyable Talent, c'est parti vraiment en flèche. C'est vraiment un accélérateur de notoriété, vraiment. C'est une question sérieuse, là. Après, je dis que des conneries. Alors, là, je me présente, c'est Joe. Joe, salut Joe. Ah oui, tiens, on va tous les présenter. Je vais dire des... Will, non. Non, je vais le faire, je vais le faire. Ouais, fais-le, alors, parce que je vais me planter. Plus simple. À ma droite, j'ai le B-Boy Black J. Comment B-Boy Black J. B-Boy Black J. B-Boy Black J, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir B-Boy Black J, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ensuite, toi, c'est... Moi, c'est à la fin. Toi, c'est à la fin, mais voilà. C'est aussi comme... Par politesse, le plus beau Christo. Le plus beau Christo. Applaudissements pour Christo, s'il vous plaît. C'est sympa pour les autres. Ensuite, là, nous avons... Notre dernière recrue, Milan. Milan, applaudissements pour Milan, s'il vous plaît. Ici, donc, nous avons... Willy Daflo. Willy, applaudissements pour Willy Daflo, s'il vous plaît. Et sur sa gauche... Et mon petit protégé, Sweetlo. Sweetlo. Et enfin, toi, c'est... Joe, tout simplement Joe. C'est Joe, applaudissements pour Joe, s'il vous plaît, pour Sweeto. Merci, donc nous avons les danseurs fantastiques. Alors, on va dire qu'on avait vraiment beaucoup de chance, parce qu'on sortait tout droit d'une émission dont la France a un incroyable talent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un producteur nous a repérés, comme on dit, et nous a proposé d'aller dans son théâtre. Et ce qui était marrant, c'est que quand j'ai monté le groupe, on se connaissait à peine la plupart, et on se regardait, on se dit « Ok, on va monter un spectacle d'une heure », on s'est dit « D'accord ». On s'est enfermé dans une pièce pendant 6 mois, à des heures pas possibles. On a vraiment galéré, et par la force du travail, qu'on a vraiment bossé derrière, on a monté un spectacle d'une heure et quart, et voilà. Et rapidement, le nom du premier spectacle, parce que là, il est en train de muter, ou muer, ou changer, le premier spectacle, comment s'appelait ? Le premier spectacle s'appelait Voyage dans le temps, et au fur et à mesure, effectivement, on a modifié, on l'a amélioré, nous aussi, on a grandi dans la profession. Et donc du coup, bah, vous connaissez de plus en plus. De plus en plus, de mieux en mieux. On commence à savoir un peu quelles sont les forces de chacun. Et donc on les met à profit. Et donc pour répondre encore un peu plus à ta question, effectivement, ça a été un beau moteur. C'est-à-dire qu'on a reçu une légitimité quand on a fini. C'est marrant, la télé, ça légitime. Bah effectivement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait Incroyable Talent, si tu veux, on a fait un sacré buzz. Et puis en plus, Joe avait déjà fait Incroyable Talent, donc voilà, ça faisait encore plus pour nous. Lorsqu'on est arrivé avec Joe, oui. Et donc du coup, bah ça légitimait un peu ce groupe et voilà, ça nous a permis de faire pas mal de choses grâce à cette émission. Est-ce que, allez, on va passer, j'ai plein de questions à vous poser, mais on risque de passer des heures, alors qu'il y a l'œil du fan. Viens ici, alors il y a l'applaudissement pour Benoît, s'il vous plaît, c'est l'œil du fan, merci beaucoup. Alors, attention, il pose des questions, mais c'est les fans, et c'est pas très funky, hein, des fois. Hein, ça, c'est comment? C'est pas top. Donc on a Émilie du 91 qui vous demande... Vous venez de l'émission La France a un incroyable talent. Pensez-vous que vous auriez eu le même succès sans passer par l'émission? Alors, comme dit cette émission, s'appelle La France a un incroyable talent. Personnellement, on est passé, il y a eu un buzz, donc Dieu ça va, Dieu merci. Et c'est grâce à cette émission-là qu'on s'est fait reconnaître. Maintenant, on ne sait pas, on est là où on est, Dieu merci. D'accord. Ensuite, il y a Léa du 92 qui demande...
Avec le nombre de tremplins créés aujourd'hui, n'avez-vous pas peur de perdre votre place? Je vous invite à voir le spectacle, parce que tous les soirs, encore, grâce à Dieu, on se donne tous les soirs à fond. Et je vous jure, c'est pas facile. Et on se bat pour être au top, au top, au top. Et crois-moi, la place, elle est difficile. Félicitations. Merci. Merci, c'était l'œil du fan, c'était Benoît. Alors, c'est un exercice. C'est merci, un exercice pas simple, hein, Benoît. Effectivement, il pose des questions et voilà, merci en tout cas. Écoutez, les gars. Jeu de main, jeu de vilain. Allez, attention. Attention, c'est en 3, hein. Il n'y a pas de point d'écart ni quoi que ce soit. Évidemment, ouais, c'est pas grave. 1, 2, 3. 0. 1, 2, 3. Ah. Un partout. 1, 2, 3. Putain. 1, 2, 3. Wouh ! Victoire des danseurs fantastiques ! Ladies and gentlemen ! Oh, oh, oh ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excusez-moi, j'ai cru que c'était la fin de l'émission, mais c'est quasiment la fin de l'émission. Oh ! J'aimerais juste vous dire que Michelangelo est là. Michelangelo ! Wouh ! Michelangelo ! Ah, tout y va bien. Michelangelo, opéra rock, Mozart, c'est lui en personne. Hey ! Comment va? He did it! Tout y va bien? Ah, dis donc, tu l'as mis dans le vent là. Alors tu vois. Bonsoir tout le monde. Non, là je vais pas le. Non. Bonne année, de tout cœur. Merci. Yes. Alors, on va faire un truc. Franchement, Michelangelo, on a discuté tout à l'heure, donc je l'empêche, je vais éviter de le faire chanter ce soir parce que c'était un peu compliqué. Merci. C'est seulement si t'en as envie. Si t'en as envie, tu peux. Mais il est vraiment passé par amitié et ça, franchement, ça le fait. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, bien fort. Là, vraiment, ça c'est énorme. Vraiment, ça c'est respect. Ça c'est un monsieur. Alors voilà, il est vraiment pas en état de chanter ni quoi que ce soit, mais il a dit qu'il le ferait et donc il est là. J'aimerais avoir tout le monde en selfie derrière, s'il vous plaît. Vous êtes bien au End the Life Club. Au End the Life Club, nous sommes ici au Café Lef. Nous sommes le 31 décembre 2014. Voilà, bah écoute, on vous souhaite une excellente année. En tout cas, dans quelques secondes, nous allons fêter le nouvel an. Nous sommes sur le compte à rebours. Vous êtes bien au End the Life Club? Alors, on va faire le compte à rebours, s'il vous plaît, avec moi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bonne année! Bonne année! Sound turn up in a de place, I'm a God send me in ya. Sound turn up in a de place, I'm a God send me in ya. Sound turn up in a de place, I'm a God send me in ya. Sound turn up in a de place, I'm a God send me in ya. Sound turn up in a de place, I'm a God send me in ya. Sound turn up in a de place, I'm a God send me in ya. Sound turn up in a de place, I'm a God send me in ya. Sound turn up in a de place, I'm a God. Oh, oh, oh.